Bonsoir à tous, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez ce soir, nous sommes dans la joie de vous retrouver, de partager la parole avec vous. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu l'occasion d'être là et de pouvoir partager avec les frères et sœurs. Soyez bénis, que le Seigneur en tout cas vous bénisse dans vos maisons, qu'il se souvienne de chacun de nous, de chacun de vous. Voilà, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seul sur le plateau. Je suis avec mon frère William. Comment vas-tu, William? Bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Donc, William est un frère qui nous vient du Cameroun et qui a eu à cœur de venir nous visiter et de pouvoir nous encourager, vous encourager, partager la parole avec nous. Donc, on va être ensemble ce soir, voilà, pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Alors, William, comment ça va au Cameroun là-bas? Par la grâce de Dieu, ça va, tout doucement, ça va. Le Seigneur nous fait grâce. Par sa grâce, nous sommes debout et par sa grâce également, on s'accroche, quoi. Amen. Alors, on s'accroche. Parce qu'avec tous les défis, toutes les difficultés, tout ce qui se passe en ce temps de la fin, on s'accroche. On s'accroche, amen, tout simplement à sa grâce. Amen. Donc voilà, donc on va partager pendant quelques temps, selon le temps que le Seigneur va nous conduire, 20, 30, 40, 1 heure, on va être ensemble pour pouvoir partager. Et donc on voudrait commencer par la prière, hein, recommander ces temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ton peuple qui nous écoute, pour nous qui sommes ici. Seigneur, conduis toutes choses au nom de Jésus, que ton Esprit Saint soit au contrôle et au centre des vies, de nos vies, les vies des frères et des sœurs qui nous écoutent. Seigneur, bénis ces moments, conduis-les pleinement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, donc ce soir, mon frère Rodrigue a eu à cœur de nous partager sur le réveil. Le réveil. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à William, pardon, pour qu'il introduise, selon que le Seigneur le conduise, sur ce partage. Moi, je vais simplement être avec lui et puis éventuellement ajouter ce que le Seigneur me mettra à cœur d'ajouter. Ah oui, nous allons partager sur le réveil. Pourquoi est-ce que je veux qu'on parle du réveil? Parce que quand nous regardons les temps dans lesquels nous vivons, on pense que nous avons besoin véritablement d'un réveil. Et pour définir le réveil, je vais le définir tout simplement comme étant le retour des cœurs vers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que s'il y a un réveil et qu'il n'y a pas les cœurs, que les cœurs ne reviennent pas au Seigneur, ça veut dire que ce n'est pas le réveil. Parce qu'actuellement, quand nous regardons ce qui se passe dans les nations, nous regardons ce qui se passe dans nos pays, dans nos villages, on comprend qu'il faut absolument qu'il y ait un réveil. Et il y a de cela bientôt peut-être 5 ans, je me suis vraiment intéressé sur la question du réveil. Donc, ce qui fait que j'ai dû étudier les réveils du pays de Galates, les réveils des différents réveils qu'il y a eu au 18e siècle. Et je n'étais pas toujours satisfait de toutes ces recherches-là. Et j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, parle-moi un peu du réveil, également montre-moi des différents réveils dans la Bible. Et l'un des réveils qui m'a beaucoup touché dans la Bible, c'est le réveil qui a eu lieu au niveau du mont Carmel. Et c'est de ce réveil-là que nous allons partager. Nous allons rapidement prendre nos Bibles dans le livre de 1 Roi 18, verset 21. 1 Roi 18, 21. Un roi 18, 21 dira, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si Yahweh est Dieu, suivez-le. Mais si Baal est Dieu, suivez-le. Et la Bible dit ici, le peuple ne lui répondit pas un seul mot. C'est ici véritablement que je veux commencer le message. La Bible dit, nous étions dans un temps où le peuple avait complètement perdu la direction. Le peuple ne pouvait plus discerner. À cause de quoi? À cause de la prison, à cause de la présence des Baals, à cause de la présence des dieux étrangers, à cause de la présence de tout ce qui se passait. Et la Bible dira qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Donc ce qui existe aujourd'hui a existé également hier. Et maintenant, comment est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir remédier à cela? C'est tout en rentrant tout simplement dans les Écritures, essayer de regarder comment lorsque il y a eu cette
ces temps difficiles, comment est-ce que ceux qui étaient avant nous ont essayé de traiter le problème? Et quand tu regardes ce qui se passe en ce temps-ci, la Bible dit le peuple clochait. Ça veut dire le peuple ne pouvait plus discerner quel était le véritable Dieu. Et quand le peuple ne peut plus discerner la vérité du mensonge, on comprend tout simplement qu'il faut produire un réveil. Et nous allons partager pendant ce temps comment est-ce qu'Élie a dû faire pour pouvoir produire ce réveil. La première chose que j'ai étudiée, que le Seigneur m'a enseignée, nous allons prendre ensuite maintenant 1 roi 19 à partir du verset 14. Uniquement 1 roi 19 verset 14 dira, et il répondit, j'ai été extrêmement ému de jalousie pour Yahweh, le Dieu des armées, parce que les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué par l'épée les prophètes. Et je suis resté seul et ils cherchent à m'ôter la vie. On comprend ici que pour qu'il y ait réveil, il faudrait qu'il y ait une personne déjà qui puisse se lever et se tenir déjà devant le Seigneur. Et pour que cette personne, nous allons étudier ici les caractéristiques, le chemin que cette personne a pour voir à Marc, qu'il a, comment est-ce que je vais exprimer, la route quoi, c'est que je vais essayer un peu de retracer une cartographie pour les éléments qui ont permis à Élie, voilà, de produit un réveil. Et l'une des premières des choses, l'une des premières conditions, c'était la motivation pour laquelle Élie s'est levé. Parce que si tu te lèves pour vouloir produire un réveil, parce que tu veux que ton assemblée soit pleine, ça veut dire que non, ce n'est pas le réveil que tu es en train de chercher tout simplement. La Bible nous précise bien ici que Élie a été extrêmement jaloux parce que les enfants d'Israël ont abandonné les alliances de Dieu. Ils ont démoli les autels de Dieu. Donc ils ont complètement, ils se sont détournés complètement des voies que le Seigneur les avait instruites. Et quand chaque fois qu'on voit un peuple qui abandonne et qui rejette complètement les voies que le Seigneur les a instruites, les voies que nous avons reçues de la part du Seigneur, il faut absolument qu'il y ait un réveil. C'est pour cela que je crois que par la grâce du Seigneur, en ce temps de la fin, le Seigneur suscitera des voix qui s'élèveront et qui marcheront d'abord devant le Seigneur et qui iront également interpeller afin de ramener les cœurs véritablement vers le Seigneur. Et comment est-ce qu'Élie a procédé? La première des choses, c'était la motivation. Il a fallu qu'Élie soit une personne dont la seule motivation d'Élie, quelle est ta motivation, frère? Toi qui es homme de Dieu, toi qui es serviteur du Seigneur, quelle est ta motivation? Quand tu regardes peut-être une ville, comme cette ville-ci, Port-Gentil, quand tu arrives, tu regardes la séduction, tu vois toutes ces choses, quelle est ta motivation? Est-ce que la motivation, c'est que les gens te suivent? Est-ce que la motivation, c'est que les gens puissent venir remplir ton bâtiment? Est-ce que la motivation, c'est que les gens marchent un peu partout derrière toi? Parce que si c'est telle est ta motivation, frère, le réveil là, le feu du réveil là ne peut jamais descendre. Tu peux prier, jeûner pendant 1000 ans, mais ce feu là ne va jamais descendre. Mais si ta motivation c'est de voir un peuple se abandonner le péché, voir un peuple véritablement qui se détourne des mauvaises voies et se tourne véritablement vers le Seigneur, ça veut dire tu peux être un instrument que le Seigneur peut utiliser pour faire descendre ce feu autant dans les temps de confusion dans lequel nous sommes actuellement. Donc, nous allons continuer. Et nous allons revenir maintenant nous sommes toujours dans le livre de Rois. Et la Bible parlera que quoi? Il y a eu la première chose, c'était la motivation. Que Élie était un homme qui avait des motivations pures. Ses motivations n'avaient rien à voir avec la chair. Ses motivations n'avaient rien à voir qu'il voulait être connu, il voulait être célèbre, il voulait que des gens puissent marcher autour de lui. Non, il n'y avait aucun motif charnel dans ce qu'Élie cherchait. Il n'y avait pas de motivation charnelle. Quelle est la motivation de ton cœur? Parce que c'est ça qui compte énormément pour que nous puissions produire un réveil en ce temps de la fin. Il faudrait des hommes qui ont des bonnes motivations. Si tes motivations ne sont pas pures, là, il sera pratiquement impossible que tu puisses être l'instrument que le Seigneur va se servir pour pouvoir
amener ou apporter le réveil dans ton village, dans ta nation ou là, partout où tu travailles. Et l'une des autres choses que j'ai observées, l'une des autres caractéristiques que j'ai observées sur Élie, se trouve dans 1 Roi 17, le verset 1, dira « Alors Élie, Tishbite, l'un des habitants de Galab, dit à Acab, Yahweh, le Dieu d'Israël, en la présence duquel je me tiens, est vivant. » Ici, l'autre aspect ici, c'est la présence. C'est devant qui est-ce que tu te tiens? Parce que si tu ne te tiens pas devant Dieu, il sera impossible de réaliser les exploits avec le Seigneur. Il sera impossible d'accomplir l'œuvre pour laquelle le Seigneur t'a appelé. Tu peux passer ton temps, tout ton temps devant les hommes, à parler, et si tu ne te tiens pas également devant le Seigneur, il sera pratiquement impossible pour toi de pouvoir t'élever et confronter les choses qui se passent actuellement dans ce monde. Et nous allons continuer rapidement avec un autre point fondamental. C'est même sur ce point-là que nous allons développer. Maintenant, nous sommes dans 1 Roi 19, 1 Roi 18, le verset 30. C'est là où mon message même va commencer. Il dira, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approchèrent de lui. Et il répara l'autel de Yahweh qui avait été renversé. On comprend que il était pratiquement impossible pour Élie de faire descendre le feu si l'autel n'avait pas été rebâti en ce moment-là. C'était impossible. Élie aurait, même si Élie avait prié n'importe comment, Élie avait tout fait ce qu'il pouvait faire. S'il n'avait pas rebâti d'abord l'autel, il ne pouvait pas, le feu ne pouvait pas descendre. C'était impossible que le feu descende. Et ce feu, cet autel-là symbolise quoi en ce temps de la fin? Ça symbolise tout simplement les fondements apostoliques que Paul, Pierre, Jésus-Christ a bâti et qu'aujourd'hui, cette nouvelle génération a renversé. La Bible parlera de l'obéissance, frère. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ça ne va servir à rien de passer le temps à faire des sacrifices et ne pas obéir à la parole du Seigneur. Donc, peu importe ce que nous faisons, si nous ne rebâtissons pas l'autel, si les fondements, nous ne retournons pas aux fondements apostoliques que Pierre, Paul ont posés, il sera pratiquement impossible de faire descendre le feu. Et ce fondement, nous allons parler un peu sur quelques points. Nous allons prendre quelques points. Nous allons énumérer quelques points selon que le Seigneur va nous conduire. Le premier point qui a été complètement renversé en ce temps, c'est le point de la sanctification. La Bible nous dira quoi? Que rechercher la sanctification sans lequel nul ne verra le Seigneur. Donc ça, c'est l'un des premiers points. C'est le B.A.B. de la foi là-bas, frère. Si tu ne connais pas, si tu ne peux pas te sanctifier, il sera impossible, j'ai dit bien, très impossible pour toi de rencontrer le Seigneur. Tu peux faire beaucoup d'offrandes au Seigneur, tu peux payer tout ce que tu donnes, toutes ces choses, mais sois-en sûr, mon frère. Il sera pratiquement impossible pour toi de rencontrer le Seigneur. Je ne veux pas entrer dans le développement de ces points, mais je pense que avec le temps, ou bien peut-être des autres séries, je vais juste énumérer les grands points que le Seigneur m'a éclairé sur cela. L'un de ces premiers points, c'était sur la sanctification. Le second point également, c'est sur la gratuité de l'Évangile. La Bible dira, nous avons reçu gratuitement et donné gratuitement. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous ne voyons plus cela. Tout est vendu aujourd'hui. Peut-être ici au Gabon, peut-être ce n'est pas ça. Mais le Cameroun d'où je viens, tout est vendu. La prière, on te vend. Le baptême, on te vend. Tous les sacrements, on te vend. Donc, il n'y a rien qui est pratiquement gratuit. Donc, sur tout ce que tu veux, il faudrait que tu déposes une offrande. Il faudrait que tu déposes une semence. Il faudrait que tu déposes. Et or, cela ne marche pas en collaboration avec les Écritures. Ça n'a aucun fondement biblique. Puisque la Bible dira dans le livre de Matthieu 10 là-bas,
là où le Seigneur a instruit la mission, la Bible dira, il a appelé les disciples. Matthieu 10, à partir du verset 1, parlera de l'ordre missionnaire là-bas, qui a été donné selon le Seigneur lui-même. Comment, lorsqu'il a appelé, la première des choses qu'il a fait, c'était de leur donner l'autorité. Et de leur donner l'autorité sur quoi? Sur les mauvais esprits et la puissance également pour guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Et ensuite, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et la Bible dira, le Seigneur a donné les instructions. Et qu'il a donné l'instruction, il a fini, il a dit tout simplement que vous avez reçu gratuitement. Personne n'a payé l'onction à un prix d'argent. Frère, si tu as payé l'onction au prix d'argent, tu dois tout simplement te repentir. Parce que cela ne vient pas du Seigneur. Parce qu'il n'y a aucun verset biblique sur lequel tu peux t'appuyer pour présenter aux hommes en disant que voilà, je suis allé sur tel endroit, j'ai donné 1 million, j'ai donné 500 000 et depuis que j'ai donné mes 500 000, l'huile coule dans mon ministère à flot, l'onction coule, j'ai des guérisons, j'ai des miracles. Si tu es là et que tu es dans cette gloire-là où tu as payé l'onction, frère, sois-en sûr que l'esprit qui agit n'a rien à voir avec l'esprit de l'écriture. C'est tout simplement l'esprit de l'erreur qui t'anime actuellement. Donc ça veut dire, tu ne peux pas donner de l'argent pour recevoir des choses saintes. Nous pouvons voir dans le livre de Actes 8 là-bas. Lorsque dans Actes 8 là-bas, la Bible parlera que Philippe est descendu, il a évangélisé dans cette ville. Et quand lorsqu'il évangélisait dans cette ville, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un magicien qui a été touché. Et lorsque le magicien a été touché, la Bible dit qu'il n'a plus tout quitté Philippe. Et les apôtres qui ont écouté l'évangile, qui ont écouté que la ville a été touchée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont effectué le déplacement. Et quand ils sont arrivés, ils ont commencé à prier pour que le peuple reçoive l'Esprit de Dieu. Et quand le peuple a reçu, la Bible dira que Simon a vu que l'Esprit de Dieu était transmis par imposition de main. Qu'est-ce que lui l'a fait? Lui l'a dit, voilà l'argent. Donnez-moi de l'argent pour que je puisse également, à partir de cet argent-là, qu'est-ce que je veux faire? Lorsque je veux aussi imposer les mains aux gens, il y aura des guérisons, il y aura des miracles. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais ce qui est surprenant, c'est que, et ce qui est bien également dedans, c'est que les apôtres n'ont pas accepté l'argent. Parce que les apôtres sont restés sur le fondement. Ils sont restés sur la parole que le Seigneur les avait donnée. Ils savaient que s'ils prenaient l'argent, ça veut dire qu'ils sont en train de briser eux-mêmes la parole qu'ils avaient reçue de la part du Seigneur. Mais comment se fait-il que 21 ans, nous sommes 21 siècles plus tard, ou 20 siècles plus tard, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est même plus aujourd'hui les brebis qui demandent, mais ce sont aujourd'hui les leaders qui se tiennent devant sur le pupitre. Quand il a fini de rendre ministère, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, bon, maintenant, tous ceux qui ont 1 million, venez avec vos 1 million. Tous ceux qui ont 2 millions, venez avec. Tous ceux qui ont 100 000, tous ceux qui ont de l'argent, venez avec votre argent. Et lorsque vous allez venir avec votre argent, qu'est-ce qu'il va vous faire? Il va dire, l'onction qui est sur ma vie, je vais relâcher ça sur vous. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est tout simplement en train d'aller à l'encontre de ce que la Bible a dit, frère. Il n'est pas en train de te donner. Et en ce moment, l'esprit qui va agir, frère, ne sera jamais l'esprit du Seigneur. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de confusion, frère. La confusion ne va pas commencer avec nous dans cette génération. Dieu ne va pas accepter la confusion avec nous dans cette génération. Non. Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, tant que nous ne retournons pas également au fondement de la gratuité, frère, il sera vraiment difficile. J'ai dit bien difficile que le feu descende de nouveau dans nos assemblées. Et c'est l'une des choses pour lesquelles l'action de l'esprit, il n'y a plus de mouvement de l'esprit, il n'y a plus de guérison, il n'y a plus de délivrance, il n'y a plus de conviction du péché dans nos assemblées aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le fondement a été tout simplement renversé. Et même le islamiste pourra dire là-bas, si les fondements sont renversés, que fera le juste? Que fera le juste lorsque les fondements ne sont pas bons? Frère, tu peux prier sur un fondement qui n'est pas bon. Tu cries, tu jeûnes. Oh, le Seigneur a tout simplement besoin que tu obéisses. Le Seigneur n'a pas besoin forcément du gros sacrifice que tu vas faire en termes de finances, non. Il a besoin tout simplement que tu obéisses. Et lorsque tu vas obéir, qu'est-ce que tu verras?
Tu verras tout simplement sa main se manifester dans ta vie. Et l'un autre point également sur lequel je vais insister également, c'est sur le message de la croix, le message de Christ, le message que nous devons également retrouver aujourd'hui. Ce message, on l'a complètement abandonné. Et au profit du message des voitures, du message de la terre, du message qui n'amène pas le cœur de l'homme vers le Seigneur, qui n'amène pas les hommes à désirer les choses d'en haut, qui amène uniquement davantage les hommes à désirer les choses de la terre. Et ce message-là, nous devons le retrouver. Ce message, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ crucifié. C'est ce que la Bible nous enseigne. Paul a passé le temps à parler de Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié dans la Bible, frère. Paul, le Seigneur, le Saint-Esprit n'a pas inspiré Paul pour que nous puissions changer le message après. Non. Non. Frère, l'évangile concerne une personne. L'évangile ne me concerne pas, moi qui te parle. L'évangile ne concerne pas tel frère ou telle sœur, non. Mais l'évangile concerne Jésus-Christ de Nazareth. L'évangile ne concerne pas ton assemblée, ne concerne pas ton ministère, ne concerne pas ces choses-là. Mais l'évangile concerne Jésus-Christ de Nazareth. Et quand on parle de Jésus-Christ, ça veut dire ce qu'il a accompli à la croix, l'instruction qu'il a donnée, la connaissance des choses d'en haut, frère. Ça n'a rien à voir avec l'évangile qu'on nous présente aujourd'hui, où nous nous battons pour les titres, où nous nous battons pour être élevés, où nous nous battons pour être vus, pour être connus. Ces choses-là n'ont rien à voir avec le Seigneur, frère. Toi qui m'écoutes ce soir, si tu te retrouves dans ces choses, que tu es là, tu es homme de Dieu, toute ta part c'est de prêcher les conditions sociales, frère, je vais te dire, tu dois revoir le message que tu es en train de prêcher. Prêcher les conditions sociales des hommes. Non, vous êtes pauvres, venez, Jésus-Christ est mort pour que vous soyez riches. Jésus-Christ est mort pour que vous soyez ceci. Non, frère, Jésus est mort pour nous donner la vie éternelle. C'est d'abord ça. Jésus-Christ est mort pour que nous puissions avoir accès au Père, pour que nous puissions venir dans sa présence, pour que nous puissions communiquer de nouveau avec lui, frère. C'est pour cela que le Seigneur est parti à la croix. Et Jésus-Christ n'est pas mort pour que nous amassions les richesses sur la terre. Lui-même, il n'a amassé aucune richesse lorsqu'il était sur la terre. Il n'y a aucune richesse que le Seigneur a amassée. La preuve est que voilà Pierre, lorsqu'ils étaient face au paralytique, il pourra dire là-bas, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Il avait la vie en lui. Il avait la vie de Jésus en lui. Et qu'on pouvait voir cette vie se manifester. Mais comment se fait-il que 20 siècles plus tard, tout cela a tout simplement changé. Les hommes ne portent plus la vie du Seigneur en eux. Les hommes portent plus la vie du monde, la vie des choses. On ne sait plus notre vie, notre moi, notre ego que nous présentons davantage aux gens. Nous cherchons à réveiller l'homme que Dieu a crucifié, le vieil homme. C'est ça que nous cherchons à exalter. C'est ça que nous cherchons de nouveau à élever. Et c'est comme ça que le vieil homme, frère, n'a pas été crucifié en vain. Le vieil homme ne peut désirer que les choses de la terre. Le vieil homme ne va jamais désirer les choses du ciel, frère. Il ne va jamais, je dis bien à grand jamais, désirer les choses du ciel. Le vieil homme, la place du vieil homme, c'est quoi? C'est tout simplement la mort, frère. Et il n'y a pas une autre solution pour ce vieil homme. Dans le message que nous devons présenter aux hommes, c'est le message de la croix, frère. C'est viens à Jésus-Christ de Nazareth. Il y aura des souffrances, il y aura des moments où le Seigneur va t'éprouver. Il y aura également des moments où le Seigneur pourra te permettre que non, tu vives dans l'abondance. Mais il y aura aussi également les moments où le Seigneur t'éprouvera, où il n'y aura pratiquement rien. Mais tu dois apprendre à pouvoir dire merci au Seigneur à tout moment. Tu dois pouvoir apprendre à dire au Seigneur que Seigneur, je te dis merci aujourd'hui pour la condition dans laquelle je suis. Je te dis merci pour la marche dans laquelle je suis. Je te dis merci pour ce que tu me donnes. Et c'est ce que le Seigneur attend en ce temps de la fin, frère. Toi qui m'écoutes, toi qui es homme de Dieu et qui as ton assemblée, et donc tu n'as pas tout pour toi, tu te bats uniquement
pour que les gens entrent dans ton assemblée. Ça veut dire que ce n'est pas le message du Seigneur que tu es en train de prêcher. Ce n'est pas le peuple que tu es en train. Tu n'es pas en train d'œuvrer pour le Seigneur. Tu es en train d'œuvrer tout simplement pour ton système. Nous ne devons pas nous battre pour cela, non. Nous nous battons pour que les gens connaissent le Seigneur Jésus. Pour que les cœurs reviennent au Seigneur. Et j'ai parlé du premier point qui était la sanctification. Le deuxième point qui est la gratuité de l'évangile. Le troisième point qui est également sur le message que nous devons retrouver. Le message. Et l'un des autres points également sur le leadership que nous avons aujourd'hui. Nous voyons beaucoup combattre le leadership. Oui, le leadership est biblique. Mais le leadership que nous voyons aujourd'hui n'a rien à voir avec le leadership tout simplement que le Seigneur Jésus-Christ a établi aujourd'hui, que nous voyons aujourd'hui. Non, ça n'a rien à voir. C'est un leadership qui ne favorise pas l'émergence des autres grâces. C'est un leadership qui ne permet pas aux autres personnes de pouvoir s'exprimer. Un leadership d'écrasement, un leadership qui est les autres, un leadership qui étrangle les autres. Et tu peux voir tout simplement ce qui se passe. Et dans ce leadership aujourd'hui, tu vas te rendre compte que l'église n'est plus gérée comme le Seigneur a demandé que nous puissions gérer l'église. Les coutumes et traditions, c'est un autre point également sur les coutumes et traditions. La Bible nous parle des coutumes et traditions. Quand je vais parler des coutumes et traditions, nous pouvons rentrer un peu, regarder dans Matthieu 15, là-bas, au verset 1. Le Seigneur parle des coutumes et traditions. Qui, aujourd'hui, c'est plus les coutumes que les hommes prêchent, plus les traditions que les hommes ont mis aujourd'hui dans l'église. La preuve est que, regardez, la plupart de nos églises aujourd'hui fonctionnent sur quoi? Qu'est-ce qui fait foi dans nos assemblées? Il ne fonctionne plus sur la base de la parole que le Seigneur nous a donnée. La plupart fonctionnent aujourd'hui sur la base de quoi? Des règlements intérieurs et des statuts. La plupart de nos assemblées, de nos ministères aujourd'hui, fonctionnent sur la base du règlement intérieur. Tu vas voir, telle personne va te dire, quand il y a un problème, il ne peut pas te dire carrément que non, voilà tel problème, que voilà ce que la Bible dit. Il va te dire non, le règlement intérieur de notre ministère dit que, la convention de notre ministère dit que, le système de notre ministère dit que, tu vois, une telle confusion aujourd'hui. Donc on a complètement pris la parole du Seigneur, on a annulé la parole du Seigneur, comme le Seigneur a dit dans Matthieu 15, au profit de quoi? Au profit de nos coutumes et traditions, tout simplement. Et avec ça, on s'attend que le Seigneur puisse agir comment? Le Seigneur ne pourra pas agir, frère. Le Seigneur ne pourra pas agir. Il a dit, vous avez annulé. Les pharisiens, ils ont annulé la parole du Seigneur. On a annulé tout simplement la parole du Seigneur aujourd'hui. Avec quoi? Avec nos règlements intérieurs. Je vais prendre par exemple. Regardons la plupart aujourd'hui des grandes dénominations que nous avons aujourd'hui. Tu vas voir, la plupart fonctionnent sur la base de quoi? Pas sur la base de ce que la parole de Dieu dit, mais sur ce qu'ils ont réécrit. Ils ont réécrit ce qu'ils appellent aujourd'hui leur règlement intérieur, leur loi. Ils sont partis piquer quelques versets bibliques pour vouloir mettre cela et dire que non, c'est comme ça que nous devons fonctionner aujourd'hui. Et en faisant cela, ils ont annulé ainsi l'autorité de la parole. Tu peux regarder tout simplement. Lorsque tu vas voir que le traitement n'est pas le même traitement au niveau des serviteurs, tu vas voir dans nos ministères, on va te dire, il y a le visionnaire. Le visionnaire, c'est celui qui coiffe tous les continents. On va te parler maintenant. Ils ont calqué le système du monde tout simplement, comme dans une entreprise. On va te dire que bon, comme voici l'entreprise, peut-être X, c'est une entreprise mondiale. On va te chercher maintenant le responsable régional. Il sera responsable peut-être de l'Europe, responsable de l'Afrique, responsable de l'Asie. Il cherche les différents responsables. Et tu vas voir que c'est que le responsable national, le responsable international, donc qui coiffe tous les continents, a, ce n'est pas les mêmes avantages que le responsable régional de la sous-région, par exemple, Afrique centrale, a. Et quand tu vas descendre, tu vas réaliser que
sous maintenant le président sous-régional, tu vas voir maintenant qu'il y a un président national. Et à partir du président national, tu vas voir qu'il y a un président régional, le président régional, le président départemental, le président maintenant communal ou bien d'arrondissement, comme c'est structuré en fonction des lois du pays. Donc nous avons calqué les modèles du pays, les modèles païens, pour pouvoir amener cela dans l'Église et vouloir faire imposer l'Église que le Seigneur, pour lequel le Seigneur est mort, pour lequel le Seigneur a versé son sang. On a présenté cela aux gens comme étant le modèle biblique, qui n'a rien à voir. Frères, nos conventions, nos trucs là n'ont rien à voir avec la parole. Nos règlements intérieurs, c'est toutes ces choses là n'ont rien à voir avec la parole, frère. Donc si tu es dans une assemblée, mon frère, et que la parole de Dieu fait fou, que les règlements intérieurs font plus foi par rapport à ce que la parole de Dieu dit, frère, je te conseille tout simplement de sortir de ce lieu-là, parce que la Bible dit, mon peuple sortait de là, parce que c'est un système, et on ne peut pas changer un système. La seule chose, c'est de faire quoi? Même Jésus n'a pas pu changer le grand système des pharisiens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti et il les a dénoncés. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas sur nous que ça a commencé. Ça a commencé bien avant nous. Donc, nous devons tout simplement copier ce qui s'est passé par le maître. Comment est-ce qu'il a fonctionné? Lorsqu'il est arrivé sur la terre, il a vu que les lois qu'il avait données à Moïse, ce n'était plus ça que les gars étaient en train d'observer. Ils observaient maintenant ce qu'eux-mêmes, ils avaient réécrit. Ils avaient réécrit leurs lois. Et c'est maintenant ça qu'ils posaient comme joug. Parce que je vais te dire une chose, frère. Les règlements intérieurs, les statuts sont des jougs pour les enfants du Seigneur. Et ces jougs pèsent énormément. Or, la parole de Dieu même, la Bible dit, c'est la parole de Dieu également, il dira, venez, prenez mon joug. Le joug du Seigneur est doux et léger. Or, le joug de l'homme pèse énormément. Le joug de l'homme ne peut pas te conduire à la vérité. Le joug de l'homme ne peut pas te conduire au Seigneur. Le joug de l'homme va te conduire davantage à réveiller le vieil homme que le Seigneur a crucifié. Donc, il y a également notre problème de leadership que nous devons revoir également, nos problèmes de règlement intérieur, nos statuts que nous devons revoir également. Frères et sœurs, si Élie avait méprisé cette parole, avait méprisé le fondement qui avait été posé, frère, il aurait couru un très, très grand risque. J'ai dit bien, il aurait couru lui-même un très grand risque que le feu ne descende pas. Parce que la Bible dira, mieux vaut l'obéissance, tout simplement que, mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Et nous sommes arrivés dans un temps où nous devons chercher à obéir à Yahweh, frère. Nous devons chercher à obéir au Dieu vivant. Nous devons chercher à retourner au fondement apostolique, à retourner au fondement que Christ a posé, que les apôtres ont posé, ce fondement qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons retourner à ce fondement-là. Tant que nous ne retournons pas à ce fondement, frère, il y a un feu que nous ne pouvons pas voir dans l'église. Il y a un feu que nous ne pouvons pas voir. Nous pouvons voir un autre feu, qui est un feu étranger, qui est un feu de séduction, qui est un feu de malice, qui est un autre feu que nous pouvons voir, mais qui n'a rien à voir avec le véritable feu, qui est le feu de transformation des cœurs. Parce que l'enjeu ici, c'est le cœur, frère. Et la Bible dira, il y a plusieurs autres choses, il y a plusieurs autres points sur lesquels je ne veux pas m'apesantir ou m'attarder sur cela aujourd'hui. Je pense que le Seigneur disposera peut-être des prochaines fois, mais le point sur lequel déjà je veux marquer, sur lequel je viens de partager, je t'encourage déjà, toi qui es à la maison, à regarder encore ces points, à réexaminer encore la parole, à retourner véritablement, toi qui désires un réveil, toi qui es fatigué de voir l'assoupissement, toi qui es fatigué de voir l'oppression, toi qui es fatigué de voir la séduction, de voir le mensonge, frère, la chose que je vais te dire, c'est de retourner au fondement apostolique, c'est de retourner et sortir les interdits dans ton ministère, sortir les interdits dans ta maison, sortir les interdits dans tout ce que tu es en train de faire. Et ne te dis pas non, nous voyons ici que Élie était seul qui s'est levé. Donc ça veut dire ici à Paul Gentil, ne crois pas qu'il faut absolument que vous vous réunissiez d'abord
nombreux avant de pouvoir faire des centres de réveil. Non. Toi, tu peux te tenir à la brèche, crier au Seigneur, te conformer toi-même dans ton ministère, dans ton appel, dans ce pour lequel le Seigneur t'a appelé, crier et ce réveil va descendre. Ce réveil que nous attendons depuis longtemps va descendre. Cet esprit du Seigneur va, qui sera de nouveau répandu sur son peuple, va, sera de nouveau répandu. Cette profonde conviction que nous désirons, nous tous, va davantage descendre et les gens seront touchés. Donc ne te simplifie pas, ne crois pas que non. Il faut absolument que nous soyons nombreux pour pouvoir faire demander, pour que le réveil descende. Non. Le réveil, ce n'est pas une histoire de nombre de personnes qui se tiennent devant le Seigneur. Non. Le réveil, c'est la qualité de personnes qui se tiennent devant le Seigneur. Pour le réveil, nous voyons ici, Élie a dû confronter tout un peuple, toute une nation. La preuve est qu'il dit ici au peuple d'Israël que si Yahweh est Dieu, jusqu'à quand est-ce que vous allez clocher? Élie s'est présenté seul pour confronter ses prophètes, pour confronter les fausses doctrines, pour confronter toutes ces choses qui se passent aujourd'hui. Donc toi également, le Seigneur peut t'utiliser pour faire, pour amener un puissant réveil dans ta maison, dans ton assemblée, dans la ville de Port-Gentil, également dans cette nation, le Gabon. Et la Bible dira maintenant, puis Élie prit les 12 pierres selon le nombre des tribus de fils de Jacob auxquelles la parole de Yahweh avait été adressée en disant « Israël sera ton nom ». Et il rebâtit de ces pierres l'autel au nom de Yahweh. Wow. La Bible précise ceci. Quand Élie est parti pour rebâtir, Élie a rebâti au nom de Yahweh. Il n'a pas rebâti en son propre nom, frère. Parce qu'on peut désirer également le réveil. On commence à faire une œuvre au nom de quelqu'un. On détruit même encore cette œuvre en allant faire en notre propre nom, frère. Non. Élie n'est pas parti faire rebâtir cet hôtel en son propre nom. Ou bien au nom d'une congrégation ou au nom de son ministère prophétique. Non, il n'est pas reparti rebâti cela en ce nom-là. Il est parti rebâti en son, au nom de Yahweh. En quel nom est-ce que tu te tiens? Sur quel nom? Quel est le nom que tu présentes aux hommes? Quel est le nom que nous présentons aux hommes ici à Port-Gentil? Quel est le nom que nous présentons aux personnes, frères? Quel est ce nom-là? Est-ce le nom de notre ministère? Est-ce le nom de notre système? Est-ce ce nom-là que nous présentons? Non, ça ne va pas marcher. Les hommes ne seront pas touchés. Jusqu'au jour où nous allons présenter quoi? Jésus-Christ de Nazareth aux hommes. En ce moment, les choses vont changer. Frère, je vais te dire, nous sommes dans un grand temps de confusion. Nous sommes dans un temps où nous devons présenter de nouveau l'agneau immolé. Nous devons présenter de nouveau Christ crucifié. C'est en cela, en ce Christ-là, que détient toute la puissance, frère. Aucun homme lui-même n'a cette puissance. Et tant que nous ne présentons pas le véritable Christ aux hommes, les hommes ne pourront jamais être transformés, frère. Le cœur ne pourra pas être transformé. Ce qui a attiré mon attention ici, c'est quoi? C'est qu'en ce temps, en Israël, la Bible dit qu'il y avait le temple en Israël. Écoutons bien. Et le temple avait été instruit par le Seigneur. Mais la Bible dit qu'Élie ne se battait pas pour que les gens aillent au temple. Non. Élie s'est battu à cause de quoi? Pour que le cœur revienne au Seigneur. Il ne s'est pas battu pour que le temple soit rempli. Parce que, frères et sœurs, l'une des choses qui disqualifie énormément sur le réveil, si tu arrives par exemple dans cette ville, tu convoques tous les leaders de cette ville, tous les leaders, les pasteurs, les apôtres, les prophètes qui sont dans cette ville, et tu leur poses la question de savoir sur l'état de la ville, ils vont te dire oui, ça ne va pas. Nous sommes tous d'accord que ça ne va pas, que les ténèbres, la nuit avancée dans cette ville. Mais maintenant, tu poses la question, ils vont dire oui. Ils sont tous d'accord par rapport à ça. Et si tu descends encore, tu poses la deuxième question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont tous d'accord. Nous sommes tous unanimes qu'il faut un réveil. Que seul un réveil peut renverser les dogmes. Mais maintenant, Dieu ne se limite pas
pas à ce niveau. Dieu ne se limite pas au fait que nous sommes d'accord qu'il faut produire un réveil. Non. Dieu a donné un carnaval pour pouvoir agir. Dieu a donné un carnaval dans lequel nous devons fonctionner. Un carnaval dans lequel nous devons marcher. Et lorsque nous quittons ce carnaval, nous ne pouvons pas voir la gloire du Seigneur, frère. Et la Bible dit, et quand tu vas poser la question à tous ces pasteurs, qu'est-ce qu'il faut réveiller? Ils vont dire oui. Mais maintenant, si tu creuses encore, tu poses la deuxième question. Pourquoi est-ce que nous voulons le réveil? C'est là où tu vas voir, il y aura une divergence d'opinion en ce moment. Et tu vas voir, c'est en ce moment-là où nous allons nous disqualifier. Beaucoup seront disqualifiés pour la demande du réveil, pour que le réveil puisse descendre. Tu vas voir un, d'autres vont dire, quand ils voient que derrière le réveil, sa petite assemblée où il y avait 10 membres seulement va multiplier peut-être par 1000. Il y aura peut-être 1000 membres. L'autre va voir que non. Derrière maintenant les 1000 membres ou ces 10 000 membres qui vont arriver, il y aura les offrandes, il y aura les dîmes, il y aura les connexions, il y aura toutes ces choses-là. D'autres vont voir que bon, les autorités que Dieu va toucher pendant le temps de réveil vont entrer dans son assemblée. Et à partir de là, quand il va aller gaffer dehors, c'est les autorités-là qui vont maintenant commencer à le défendre dehors en disant que non, c'est mon leader, je ne peux pas le laisser comme ceci. Non! Tu vas voir, et c'est comme ça que plusieurs commencent à être disqualifiés à cause des motivations. Pour d'autres personnes, il va voir que non, derrière ce réveil, j'aurai une certaine renommée. Et dans les nations, on va me connaître. À partir de là, on va dire que ah, notre nation devient un centre de réveil où les gens viendront un peu de partout. Et à partir des connexions des gens qui viendront pour recevoir le frais dans notre nation, je pourrai aussi voyager, aller dans les autres nations. Tu vois que les motivations vont disqualifier pratiquement sur 100 peut-être serviteurs ou 100 serviteurs de Dieu, au moins 98 seront disqualifiés tout simplement à cause des motivations. Très peu se battront pour que le royaume puisse être peuplé. Très peu auront une seule motivation, un désir dans leur cœur de voir que le royaume doit être peuplé. De voir que le royaume doit être peuplé. Frère, si tu te bats encore parce que tu désires que le rêve, parce que ta part, ce que tu désires, c'est que les gens viennent dans ton assemblée, ça veut dire que frère, tu n'es pas en train de faire ce pour lequel le Seigneur t'a appelé, non. Ça veut dire que tu n'as pas encore compris. Élie ne s'est pas battu pour le temple, frère. C'est l'une des choses qui m'a toujours touché. Élie s'est battu pour que le nom du Seigneur soit de nouveau connu. Pour que le peuple qui avait perdu la connaissance. Parce que la Bible dit ici que lorsque Élie a posé la question au peuple, que pourquoi clochez-vous? Ils n'ont pas pu répondre. Personne parmi eux n'a pu dire si Yahweh était Dieu ou si Baal était le Seigneur. Donc tu vois que la connaissance était complètement partie à cause de quoi? À cause du péché, à cause de l'abomination, à cause de l'idolâtrie. Et nous vivons également dans ce temps où il y a l'abomination, il y a l'idolâtrie, où les hommes sont idolâtres de leur propre vie. Ils sont idolâtres certainement, pour d'autres, ils sont idolâtres des serviteurs de Dieu. Pour d'autres, ils sont idolâtres des choses du monde. Ils sont idolâtres de toutes ces choses. Frères et sœurs, je vais te dire une chose. Tu ne peux pas servir le Seigneur et être en même temps idolâtre des choses du monde. Non, frère. Nous sommes dans un temps. La Bible nous parle de la porte étroite. Nous sommes dans un temps où la porte, les portes sont étroites, mon frère. Nous ne pouvons pas entrer. Nous ne pouvons pas entrer dans la porte là avec toutes ces choses-ci, frère. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas entrer dans la porte avec ces choses-là, frère. Ce n'est pas possible, frère. Nous sommes dans des temps difficiles où nous devons nous dépouiller, où nous devons changer, où nous devons retourner à la simplicité de l'évangile, où nous devons retourner à la vérité, frère. Car c'est seule la vérité qui va nous aider. Et la Bible dira ensuite, au verset 36, nous sommes dans 1 Roi 18, maintenant verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'approcha et dit, « Ô Yahweh, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. » Oh, quelle belle prière! Regardons tous ensemble. « Ô
Élie n'a pas prié pour dire, Seigneur, que l'on sache que je suis un puissant prophète en Israël. Non. Que l'on sache que non. Non, il a dit que l'on sache que Yahweh est Dieu en Israël. Est-ce que le désir de ton cœur, c'est que les hommes savent que Yahweh est Dieu, frère? Est-ce que c'est ça le désir de ton cœur? Ou le désir de ton cœur, c'est que les gens sachent que tu as de grosses voitures, que tu as de grosses maisons? Est-ce que c'est ça le désir de ton cœur, frère? Si c'est ça le désir de ton cœur, ça veut dire la prière que tu élèveras au Seigneur pour demander le réveil. Cette prière ne sera jamais exaucée, mon frère, jusqu'à ce que le Seigneur ait purifié tes motivations, jusqu'à ce que le Seigneur ait arraché cette mauvaise motivation. C'est en ce moment que certaines prières sont exaucées. Et la Bible dira, et que j'ai fait toutes choses par ta parole. Par ta parole. Il dit, réponds-moi, ô Yahweh, réponds-moi, afin que ce peuple, merci Seigneur, connaisse que c'est toi, Yahweh, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène le cœur. Nous comprenons tout simplement, voilà la définition du réveil. Beaucoup de gens se posent, ils croient que non, le réveil c'est un temps où il y aura beaucoup de miracles. Frère, c'est vrai, ça fait partie du réveil, mais ce n'est pas le réveil, frère. Ça, c'est un élément du réveil, mais ce n'est pas le réveil. Parce que quoi? Il peut avoir des miracles, mais les cas ne reviennent pas à Jésus. Il peut avoir des guérisons. Comme maintenant, là, nous voyons, va dehors, là, tu vas voir les guérisons, les délivrances, les prophéties, toutes ces choses-là. Si tu crois que le réveil se limite uniquement aux guérisons, aux délivrances, ça veut dire que, frère, tu es passé à côté, frère. Ça veut dire que tu es passé à côté. Le réveil n'est pas uniquement la guérison. C'est un élément du réveil, frère. Il dit bien ici, écoutons la prière qu'il fait. Il dira, que l'on sache... Il dit que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. On comprend ici qu'Élie ne s'est pas levé de lui-même, frère. Élie a fait toutes choses parce qu'il avait reçu une parole de la part du Seigneur. Quelle est la parole que tu as reçue de la part du Seigneur? Elle est la parole que nous avons reçue en ce temps de la fin où le peuple a soif, où le peuple veut voir quelque chose de nouveau, frère. Quelle est la parole que nous présentons au Seigneur? Et ce qui m'intéresse ici, on continue. Il dit, réponds-moi, ô Yahweh, réponds-moi, afin que ce peuple connaisse que c'est toi, Yahweh, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène les cœurs. Merci, Seigneur. Il dit que c'est toi qui ramène les cœurs. C'est ça la définition du réveil. Que les cœurs reviennent à Jésus. Si tu as la maison, souligne dans ta Bible, ramener les cœurs. Et tu présentes ça à ton pasteur qui croit pas que, qui croit, pour tous ceux qui croient que le réveil c'est uniquement lorsque les pieds ont poussé, lorsque, non, je n'ai rien contre ça. J'en ai vu déjà plusieurs fois, les guérisons, les miracles, même dans le ministère dans lequel je travaille. J'ai vu ça plusieurs fois, mais j'ai compris avec le temps que ce n'est pas ça le réveil. Réveil, frère, ce n'est qu'un élément du réveil. Le réveil, c'est que les cœurs reviennent au Seigneur, c'est que les cœurs soient brisés, c'est que les prostituées abandonnent la prostitution, c'est que les bandits abandonnent le vol, c'est que les pécheurs retournent vers Jésus de Nazareth, c'est que les hommes qui avaient une marche de débauche, qui avaient une marche de corruption, qui avaient une marche de malhonnêteté puissent abandonner ces voies-là et se tourner de nouveau vers le Créateur et dire non, nous, non, les voies que nous avons entrepris, ce sont les mauvaises voies et nous décidons maintenant de nous tourner vers le Seigneur. Et qu'est-ce que la Bible dit? Regardons quelle est la réaction de Dieu, mon frère. Quelle est la réaction du Seigneur? Peut-être ça fait longtemps que tu as prié, tu as demandé au Seigneur beaucoup de choses. Le Seigneur ne t'a pas accordé cette chose. C'est tout simplement pourquoi? Parce que les prières que tu élèves ne sont pas encore, ne sont pas dans le canevas dans lequel le Seigneur instruit cette chose. Il dira que quoi? Et la Bible dira, alors le feu de Yahweh tomba et consuma l'holocauste. Ah, est-ce que tu peux acclamer toi qui me suis à la maison? Il dit, alors le feu tomba et consuma l'holocauste, les pierres, la terre y absorba toute de l'eau qui était dans le fossé. Ça, c'est, nous sommes comme ça au verset 38 maintenant. La Bible dira, le feu est tombé. Frère, ce n'est pas toutes les prières qui font descendre le feu, frère. Non.
Ce n'est pas toutes les prières. Pour que le feu descende, on a vu tous ensemble le processus. Il y a un processus, frère, dans lequel l'Église du 21e siècle doit retourner. L'un de ces processus-là, la première des choses, c'est de retourner le fondement apostolique qui a été détruit, qui a été renversé. Frère, c'est la première des choses que nous devons d'abord faire. Nous devons retrouver ce fondement-là. Sans ce fondement, frère, il sera pratiquement impossible. Je dis bien impossible, impossible, impossible que le feu descende. Et la Bible dira, regardons tous ensemble la particularité de ce feu. Nous allons voir que ce feu, moi, quand j'étais nouveau converti, je croyais que ce feu, c'était un peu, quand je lisais souvent l'histoire d'Élie, pour moi c'était comme un grand théâtre. Donc je vois ça comme un grand théâtre, donc une scène de grand théâtre que Élie a pu développer. Mais je ne comprenais pas l'aspect spirituel qui avait été dedans. La Bible parlera de quoi? Quand Élie au début présente le peuple, il dit au peuple jusqu'à quand? Il dit alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si Yahweh est Dieu, suivez-le. Et si Baal est Dieu, suivez-le. Et la Bible dit quoi? Le peuple ne lui répondit pas un seul mot. On comprend tout simplement qu'il y avait un temps de confusion où le peuple avait perdu la véritable connaissance. Le peuple ne pouvait plus discerner la voix du véritable Dieu. C'est comme nous sommes en ce temps-là où il y a une grande confusion. Là, partout, là-dedans, avec tous les faux prophètes que nous avons, les prophètes de malédiction, les prophètes de Baal, les prophètes que tout pour eux, c'est l'argent. L'argent le matin, argent à midi, argent le soir, tout pour lui, c'est l'argent. La seule chose qu'il s'est prophétisé, je prophétise ton mariage, je prophétise ceci. Il ne peut jamais voir la vie du péché dans lequel tu es. Il ne peut jamais voir la vie des débauches dans lequel tu es. La seule chose qu'il sait voir, c'est tout simplement ton argent, ton porte-monnaie, la future maison que tu auras dans 5 ans, la future voiture que tu auras dans un certain nombre d'années. C'est la seule chose que lui peut voir. Et c'est ce qui se passe au temps d'Élie. La Bible dira que le peuple était confus. Le peuple ne connaissait plus quel est le véritable Dieu. Comme aujourd'hui, va là-dedans, tu demandes à quelqu'un. Moi, je sors d'une mission de l'ouest du Cameroun. Où le Seigneur permet, je suis allé à l'ouest pour prêcher chez la région Bamileke. Je suis arrivé là-bas, tu causes avec une maman. Tu dis à maman que maman, tu connais Jésus? Elle te dit, mon fils, comment est-ce que tu connais Dieu, pardon? Elle te dit, mon fils, parce qu'aujourd'hui, je n'aime plus l'affaire qu'on me dit, c'est mon Dieu, Dieu est un homme, ma part le Dieu est un homme, frère. Tu demandes, maman, tu connais le Seigneur, tu connais Dieu? Elle te dit, comment? Je ne connais pas Dieu, comment? Tout le monde connaît Dieu. Que comment est-ce qu'on peut vivre sans Dieu? Tu crois, quand tu dis ça, dans ton cœur, tu dis, waouh. Donc la maman, tu connais le Seigneur, mais creuse, frère. Quand tu creuses, tu demandes à la mère, mais maman, ton Dieu là même, c'est comment? Ton Dieu là, c'est qui? Comment est-ce que tu le sais? Elle va te présenter un bloc de pierre quelque part. Elle va te présenter le crâne de son grand-père là-bas. Elle va te dire, mais voilà mon Dieu là-bas. Celui qui me garde, celui qui me donne la nourriture, celui qui me donne toutes ces choses. Tu es dépassé, tu dis que, mais maman, comment tu dis que ton Dieu, c'est les ancêtres? Et elle me dit que non. Parfois, quand je suis malade, je vois mon arrière-grand-père qui est mort depuis, il vient me donner, il me dit que va prendre telle herbe là-bas. Tu prends l'herbe là, et tu frottes, tu manges, et tu es guéri. J'ai dit, waouh, maman, c'est ça? J'ai dit que, maman, ça c'est la confusion. Même l'ennemi guérit, maman, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Les ancêtres sont morts. On ne connaît même pas où ils sont. La plupart de nos ancêtres, on ne les connaît même pas. La plupart des ancêtres, on ne les connaît même pas. On ne connaît pas le Dieu qu'ils adoraient. Ils se cachent derrière Dieu, 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 frère. Le Dieu que je sais, non. Le Dieu qui m'a permis que j'arrive en ce lieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua Mashiach. Il y a un nom, frère. Donc il a un nom. Donc il n'est pas un Dieu qui s'est caché au peuple, non. Il est un Dieu qui s'est révélé à ses enfants. Il veut se révéler également à toi ce soir. Et la Bible dira ceci. Le peuple étant dans la confusion. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, et qu'est-ce qui s'est passé quand le feu est tombé? Regardons tous ensemble l'aspect spirituel. Nous sommes dans 1 Roi 18, verset 39. 1 Roi 18, verset 39. On dira, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dit, c'est Yahweh qui est Dieu. C'est Yahweh qui est Dieu.
Merci Seigneur. La Bible dira, quand le feu est descendu, la première des choses que ça fait, ça a consumé l'ignorance. Ça a détruit l'ignorance qu'il y avait dans le cœur. Ça a brisé, ça a détruit le voile que l'ennemi, parce que le voile a porté le péché. Un peuple qui connaissait Yahweh et qui subitement a perdu la connaissance de Yahweh. Il fallait que quoi, qu'il y ait un feu qui tombe. Frère, il faut ce nouveau feu dans ta maison. Il faut ce nouveau feu dans cette ville. Il faut ce nouveau feu dans cette région. Il faut ce nouveau feu dans l'Afrique. Il faut ce nouveau feu dans les nations, frère. Il nous faut un nouveau feu. Il nous faut un nouveau feu, frère. En ce temps de la fin, il nous faut un nouveau feu. Le véritable feu. Et la Bible dit, le feu qui va incliner, merci Seigneur, un feu qui va incliner les cœurs. Un feu qui va permettre au peuple de reconnaître que c'est Yahweh qui est Dieu. Un peuple, un feu qui va mener le peuple à confesser Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Frère, c'est ça le réveil. S'il y a puissance, il y a miracle, il y a toutes ces choses, et que Jésus-Christ de Nazareth n'est pas reconnu comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire que le réveil là n'est pas le réveil là-bas, frère. Ça veut dire tout simplement que ce n'est pas le réveil. Donc toi qui m'écoutes ce soir, le Seigneur Jésus ne te condamne pas. Le Seigneur Jésus-Christ te tend tout simplement la main ce soir. Donc toi qui m'écoutes ce soir et qui vis dans la vie de débauche, qui mène une vie qui ne glorifie pas le Seigneur, qui mène une vie de transgression, une vie d'égoïsme, une vie de méchanceté, une vie d'impureté, le Seigneur Jésus-Christ te tend de nouveau la main également ce soir. Quand tu regardes à Élie, Élie a parlé, s'est adressé à un peuple qui était rebelle, un peuple qui avait renié Dieu, un peuple qui avait perdu la connaissance du Seigneur. Donc toi également, qui m'écoutes ce soir, Jésus-Christ de Nazareth également, te tend la main ce soir. Jésus-Christ de Nazareth ne te condamne pas, moi non plus je ne peux pas te condamner. Jésus-Christ te tend la main et il te dit, reviens ma soeur. Il te dit, homme de Dieu, retourne également au véritable message qui est de présenter Jésus. Parce que ce n'est pas tous les messages qui révèlent Christ dans les cœurs. Ce n'est pas tous les messages qui peuvent déchirer ou ôter le voile. Seul le message de la croix, seul le message de Jésus qui est centré sur Christ peut te ramener, peut ramener le peuple vers le Seigneur. Donc toi qui m'écoutes ce soir et tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth à la maison, tu peux le recevoir ce soir si tu es disponible. Tu peux le recevoir tout simplement en ouvrant ton cœur et en le confessant comme Seigneur et Sauveur et en demandant pardon au Seigneur pour tous les péchés que tu as commis. Et je pense également, il y a des numéros qui pourront s'afficher après. Si tu as besoin peut-être davantage de conseils, tu as besoin davantage de prières également, les numéros qui vont s'afficher, tu peux appeler pour rencontrer les frères et pour davantage partager. Oui, pour davantage partager par rapport à la parole, ils vont davantage t'aider également. Donc, je suis arrivé pratiquement au thème de mon message. Je vais également prier. On va prier. On va prier ensemble. On va prier. La première des choses que nous allons faire, c'est que nous allons implorer la grâce du Seigneur pour le fait que nous avons démoli ces autels dans cette ville. Nous avons abandonné le message. Nous allons prier. Toi qui es à la maison, tu vas te joindre à moi pour la prière. Nous allons implorer sa grâce ce soir. Nous allons demander pardon au nom de Jésus. Nous sommes en prière. Père, au nom de Jésus de Nazareth, nous avons compris le message, l'interpellation ce soir et nous venons devant toi, Père, ô Dieu, implorer ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, dans nos vies ce soir. Nous venons te demander pardon, Seigneur, pour la négligence, Seigneur, pour le péché, pour la désobéissance, Seigneur. Seigneur, nous venons, tu as dit le jugement commencera dans ta maison, Seigneur. Par ma voix et la voix de toute l'Église, du corps de Christ, de Port-Gentil, Seigneur,
Nous venons, Seigneur, implorer ta grâce et ta miséricorde sur cette ville, sur l'Église, Père, sur ta parole que nous avons abandonnée. Seigneur, sur la vérité que nous avons abandonnée, nous avons prêché tout sauf toi, Seigneur. Tu as dit, tu es un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant, un Dieu qui prend plaisir à la miséricorde, Seigneur. Nous venons te supplier, Yahweh, en implorant ta grâce, en implorant ta miséricorde ce soir, en te demandant pardon, Seigneur, pour tous les péchés que nous avons commis. En tant que corps de Christ ce soir, nous implorons ta grâce en tant que corps. Seigneur, tu es le comme, tu es la tête, Seigneur, de l'Église dans cette ville, Père éternel. Tu connais les rivalités, les divisions, les confusions, tout ce qui se passe dans cette nation, dans cette ville, Seigneur. Nous implorons ta grâce. Nous nous humilions pour te demander pardon. Nous te demandons pardon pour tous les serviteurs de cette ville. Papa, pour la plupart qui sont tombés, pour ceux qui sont tombés dans le péché, tombés dans l'adultère, tombés dans le mensonge, tombés, Père éternel, Seigneur, dans la fornication, tombés, Père éternel, Seigneur, dans l'escroquerie, pour tous ceux qui ne te servent plus, pour tous ceux même qui sont allés, Seigneur, partiser avec le diable, avec les sirènes, Seigneur, pour rechercher la puissance, pour séduire ton peuple. Seigneur, nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce sur tous les serviteurs, tous les apôtres que tu établis dans cette ville, tous les prophètes, tous les pasteurs, tous les enseignants, les docteurs, les évangélistes que tu as établis dans cette ville. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde, Père éternel, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Nous te demandons pardon au nom de Jésus. Nous te supplions de pardonner, Seigneur. Pardonne tous les péchés. Pardonne, Père éternel, Seigneur, ton peuple. Pardonne la rébellion, pardonne la tétutesse, pardonne tout au nom de Jésus. Nous te supplions de pardonner tout le monde et de laver, purifier, sanctifier ton peuple, sanctifier cette ville au nom de Jésus. Seigneur, nous implorons également ta grâce, Père, ô Dieu. Seigneur, sur les autorités administratives, Seigneur, civiles, les hommes, les femmes de cette ville qui ne te connaissent pas encore, Père éternel, Seigneur, nous implorons ta grâce et ta miséricorde sur eux. Nous prions également, Père, pour eux. Seigneur, que tu les accordes ta grâce et ta miséricorde au nom de Jésus. Seigneur, tu ne veux pas la mort du pécheur, Seigneur, mais tu veux que le pécheur se repente et qu'il se détourne de ses mauvaises voies et qu'il se tourne de nouveau vers toi. Seigneur, je prie pour cette ville de Port-Gentil, pour ta grâce de nouveau, Seigneur. Seigneur, que ta grâce de nouveau, Seigneur. Ta grâce, Père. Ta grâce au nom de Jésus de Nazareth. Ta grâce au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je prie au nom de Jésus, te suppliant de pardonner cette ville. Pardonne les autorités que tu as élevées en dignité dans cette ville. Pardonne les hommes d'affaires, les femmes, les commerçants, tous ceux qui habitent dans cette ville. Accorde ta grâce et ta miséricorde au nom de Jésus. Seigneur, merci de pardonner, de sanctifier, de purifier tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Merci, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, on va prier encore pour demander au Seigneur de répandre de nouveau ce feu, qu'il répande de nouveau ce feu sur son peuple, ce feu dans les maisons, que ce feu... Oui, ce feu de sainteté, ce feu qui était absent depuis un bon bout, que ce feu redescende maintenant sur son peuple au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ce feu, cette flamme, Seigneur, enflamme de nouveau ton peuple au nom de Jésus. Repens, laisse que ce feu descende, Père éternel, sur ton peuple, descende, Père éternel, sur l'Église, de nouveau le Port-Gentil, sur tes enfants, tes serviteurs, tes servantes, que ce feu descende, Père éternel, de nouveau, Père, dans les maisons, dans les assemblées, que ce feu visite ton peuple au nom de Jésus, que ce feu qui brise l'ignorance, brise la puissance du péché, Seigneur, que ce feu descende au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie également, ô mon Dieu, ô mon roi, te suppliant de visiter, Seigneur, tes enfants, ton peuple,
au travers de ces ondes, au nom de Jésus de Nazareth. Visite ton peuple au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit dans ta parole que dans les derniers jours, tu répandras ton esprit sur toute chair. Je prie au nom de Jésus que ton esprit, Père, qui convainc les hommes du péché, de la justice et de ton jugement, Père, que tu répands cet esprit sur ton peuple. Seigneur, répands ton esprit au nom de Jésus. Répands ton esprit de nouveau dans les maisons. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais prier pour les malades. Si tu es à la maison, tu es malade, mets tout simplement la main là où tu as mal et je vais prier. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui est éloigné, c'est un Dieu qui est omniprésent. Il est partout, en tout moment et en tout lieu. Il est au contrôle de toutes choses. Mets ta main, si c'est à la tête, sur le ventre, mets tout simplement ta main. Tu n'as pas besoin que je te touche. Mets ta main tout simplement. Et le Seigneur va te visiter. Il va te guérir au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je te bénis, je te rends grâce et je te dis merci pour ta puissance, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Merci parce qu'à la croix, tu as pris nos maladies, tu as pris nos douleurs, tu as pris nos infirmités. Merci Père éternel parce qu'à la croix, tu l'as accompli. Et j'appelle maintenant à la manifestation de cette guérison dans la vie de tous ceux qui ont mis la main là où ils ont mal. C'est-à-dire que tous ceux qui avaient mal à la tête, j'ordonne au mal de tête de partir au nom de Jésus. Tous ceux qui avaient mal au dos, je commande au mal de dos de partir. Tous ceux qui avaient mal au rein, les mal de rein de partir au nom de Jésus. Tous ceux qui avaient mal au ventre, que les mal de ventre partent au nom de Jésus. Les cancers partent au nom de Jésus. Que toute forme de maladie, d'infirmité partent au nom de Jésus. Que ceux qui n'entendaient pas, j'ordonne que les oreilles s'ouvrent au nom de Jésus. Que ceux qui ne voyaient pas, j'ordonne que la vue soit restaurée au nom de Jésus. Que les écailles tombent et que la vue soit restaurée au nom de Jésus de Nazareth. Ceux qui ne dormaient pas, à partir de cette nuit, je réprimande l'esprit qui vous empêchait de dormir au nom de Jésus. Je réprimande cet esprit au nom de Jésus. Et je proclame que vous allez bien dormir à partir de ce soir au nom de Jésus. Seigneur, merci Père éternel pour les guérisons. Merci pour les miracles. Merci pour tout ce que tu fais. Je proclame la guérison. Je relâche la guérison. Que ceux qui avaient le cancer, le sida, je réprimande le cancer. Je réprimande le sida, je réprimande toutes ces maladies au nom de Jésus de Nazareth. Et je proclame la guérison divine au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour ce moment. Merci infiniment également pour l'œuvre que tu as commencée dans cette ville. Merci également pour cette télévision, Père éternel, Seigneur. Merci pour ton serviteur, Père éternel, à qui tu as confié cette vision, Seigneur, dans cette télévision, Seigneur. Merci de le fortifier. Merci également pour toute l'équipe qui l'accompagne au nom de Jésus. Que ta grâce, ta faveur soit sur eux tous au nom de Jésus. Seigneur, merci que ta bénédiction demeure également sur lieu au nom de Jésus. Seigneur, sers-toi davantage de cette télé pour ramener le cœur vers toi. Sers-toi, Seigneur, de ces ondes. Seigneur, pour toucher les vies, pour toucher les familles. Au nom de Jésus de Nazareth, merci Père. Gloire à toi. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci.